Good morgen, allez, Iden, les tueurs aujourd'hui, le Lunishmat, Molvir Bishmol Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batrana Rachel Shlomo Ben Esther, Risha Batrim Nechemia, Yaakov Ben Aisha, ainsi que les fois Avram Uri Ben Reut, Betor Shah Chol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah pour le 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Zvachim, Tarek He, Mishnah Hei, Zivrei, Shalvet Sibur, Va Hashamot, Elohen Hashamot, Hasham Gezelot, Hasham Shifra, Hashem Gzalot, Hashem Meilot, Hashem Shifra Harufa, Hashem Nazir, Hashem Metzora, Hashem Taloui, Shechit Atan Batsafon, Vekibul Daman Bichle Sharet Batsafon, Vedaman Taon Shite Matanot Shen Arba, Venechalin, Lifnim Nekelaim, Lezichre Keuna, Vechol Maachal, Leyom, Valaila Atrasot. On continue l'évolution des Korbanot à doucement descendre du plus Kadosh au, quelque part, le niveau de Khumra, de gravité, de loi particulière moins stricte. Donc on a commencé avec les deux premiers korbanot, c'était ceux qu'on apportait le sang dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippur, puis ensuite juste dans le Echal par Elam Davar Shel Tzibur et les Seirim, et ensuite on est passé dans la Mishnah Gimel, on a parlé des Chataot, comment asperger le sang sur les, puisque le sang de la Chatat il monte sur le haut du Mizbeach, donc la Mishnah l'a classé auparavant, d'accord. Ensuite, on est passé dans le korban de la Ola, que même si on verse le sang dans la partie inférieure du Mizbeach, à la différence du Khatat où on monte sur le Sovev, sur la rampe, alors pour les autres korbanot maintenant, on va donner le sang dans la partie inférieure du Mizbeach. La Ola, puisqu'on va donner toutes les parts pour Hachem, alors elle est plus stricte. On continue maintenant l'évolution avec la cinquième Mishnah. On va parler du korban de Hacham et Zivrei Shalmei Tzibur. Dans la Mishnah, il y a deux points à développer. Expliquer là, c'est quoi ces korbanot, et ensuite expliquer la singularité de ces korbanot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va très rapidement, d'abord dire vaguement dans quelles circonstances on apporte ces korbanot. On va expliquer ensuite la manière de verser le sang sur le Mizbeach et de les consommer. Et puis après, on va plus expliquer dans la deuxième partie, dans les détails, on va expliquer dans quelles circonstances on doit apporter le korban. Le seul problème, c'est que ça va pas correspondre au texte, parce que la Mishnah a fait le contraire, elle a d'abord précisé les korbanot. On va procéder dans l'envers, mais c'est pas grave, on expliquera ensuite la Mishnah. Alors d'abord, concrètement, Zivrei Shalmei Tzibur va Hashamot, de manière générale, un Shlamim et les Kodashim Kalim. Lorsqu'on verra Shlamim, on a l'occasion, de la Mishnah Vav et Zayin surtout, on va parler des Shlamim qui sont Kodashim Kalim. C'est des. Ils ont une Gdusha légère. Une Gdusha légère, ça implique qu'on pourra les égorger dans toute la Hazara. Par contre, il y a ce qu'on appelle les Zivrei Shalmei Tzibur. Il y a des Shlamim, dans une seule configuration en fait à Shavuot, des Shlamim où ça devient un Korban public. Les Korbanot publics, en général, c'est des Olot ou c'est des. Il y a le Khatat. Un korban public, il y a tous les jours, on apporte le korban Ola. À Shabbat, on apporte le Moussafin, c'est des Olot, des Kvasim. Durant les Chagim, par Echad, Aïl Echad, Kvasachat, Meshanto, les Ola. Vous irez à Mechad et Khatat, on apporte des Olot et des Khataot. Presque jamais des Shlamim, à une seule exception, ce qu'on appelle les Kivse Atzeret. À Shavuot spécifiquement, la Torah a prescrit d'apporter des korbanot Shlamim. D'accord ? On expliquera plus en détail c'est quoi des shlamim. Maintenant, ces shlamim-là, ils ont la singularité d'être des kodashi kadashim. Ils sont une gdusha supérieure. Puisque c'est une gdusha supérieure, ils doivent être nécessairement abattus et le sang réceptionné, batsafon. D'accord ? Ça, c'est la première partie. La première chose, on a compris c'est quoi les zivrei shalmei tzibur, les zvachim, qui sont shalmei tzibur, les shlamim du public. La seule configuration, comme il nous dit le Vartanora, Kivsei Atzeret. Et, à part ça, il y a les Hashamot. Hashamot, c'est une forme d'expiation très particulière, dans des circonstances très précises, que la Torah nous dit, la porte apportera un korban Hasham. À la différence du Khatat, où il faut prendre le sang et le monter sur le Sovev pour aller l'asperger dans les quatre coins, le Hasham, il est Kodesh Kadashim, certes, il faut le gorger dans le nord, dans la partie nord de la Hazara, mais malgré tout, il ne faudra pas, la Torah n'a pas prescrit de prendre le sang et d'aller le donner en haut, mais plutôt de le donner en bas, selon les règles qu'on a apprises, Shtaim Shanarba, Shtaim Shanarba. C'est-à-dire, Achat Sheishtaim, Achat Sheishtaim. Une
une aspersion, c'est-à-dire deux qui vont fermer quatre, c'est-à-dire deux aspersions comme on apprenait dans la Mishnah précédente. Tu asperges, tu vas te mettre dans l'angle, tu asperges sur le coin du misbéar, comme ce qu'il fait lui là, et tu as touché deux faces du misbéar, ensuite tu vas de l'autre côté, ici, et tu asperges de nouveau, et comme ça tu as fait Shtaim Shanarba, t'as donné deux fois du sang, en parvenant ainsi à toucher les quatre faces du misbéar. Et après, ces corbanotes pourront être ensuite consommés, ils devront être consommés durant un jour et une nuit uniquement, la journée où on l'a égorgé et la nuit qui suit jusqu'à Chatzot. On pourra les consommer comme tu... à la sauce que tu veux, tu les fais cuire comme tu veux. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué dans le Korban Khatat, à la différence du Korban Pessah, où on va nous imposer de le faire griller. Là, tu peux le faire bouillir, tu peux le faire frire, tu peux faire ce que tu veux. Et il pourra être consommé par tous les Zecharim, tous les mâles Kohen, mais uniquement dans la Hazara, dans l'enceinte de la Hazara, étant donné qu'il est Kodshé Kodashim, il est très saint. Alors sa santé implique de ne pas le faire sortir au-delà des parois, des limites de la Hazara, ce qu'on appelait Chutz Leklaim. Parce que dans le Mishkan, on mettait des rideaux, des teintures, on mettait des rideaux pour des toiles. Donc, il y avait des toiles pour délimiter le Mishkan. On n'avait pas le droit de les manger au-delà de ces toiles qui sont appelées les Klaim. Donc Beth Amikdash, c'est Klaim, en fait c'était tout simplement de la pierre, c'était les parois de la Hazara. On a tout expliqué à l'oral, et maintenant on va mettre le zoom pour définir, pour expliquer c'est quoi les Hashamot, et on va le faire directement dans les mots dans le Mishnah. Il y a 6 Hashamot. 6 fois, dans 6 circonstances, la Torah a prescrit d'apporter un Hasham. Alors tout d'abord la Mishnah me dit, Zivrei Shalmei Tzibur, les Korbanot, qui sont des Shlamim publics. Donc, Barthénois nous dit qu'il fait ça à Tseret. Et aussi les Hashamot, les Korban Hasham. La redescendance de la phrase va être à la fin quand on va nous dire que c'est des Kodesh Kodeshim Shretatan Matsafon. Shretatan Matsafon. Mais la Mishnah nous dit attention, je te dis Hasham, tous les Korban Hasham, c'est des formes d'expiation. Ve'eloué, Eloué, Hashamot. Tels sont les Hashamot pour lesquels il faut apporter un Korban Hasham dans la Torah. 6 cas, le premier. Hasham Gezelot, celui qui a volé en jurant. Un gardien, par exemple, on lui avait confié quelque chose à garder et il a négligé et il était fautif, il devait payer. Il devait en théorie payer. Il a dit qu'il n'était pas fautif et il a juré à faux en niant de l'argent. La Torah a prescrit encore un korban particulier, un korban hasham. Donc c'est ce qu'on appelle le hasham gezelot. Dans le Barthénois, regardez, il nous dit ha'amur bishvuat ha'pikadon, celui qui va jurer. Donc pour nier un picadon, un gage qu'on a transmis. Ensuite, Hasham Me'ilot. Le Korban Hasham, lorsque l'on fait un sacrilège. Ce qui appartient au Beth Amikdash, il y a une Gdusha dessus, une sainteté. On n'a pas le droit d'en tirer profit, un profit personnel. Et celui qui a tiré profit, il devra apporter un Korban Hasham et payer la contre-valeur de la chose qu'il a utilisée en rajoutant un cinquième. D'accord ? Il y a une Maserhet entière qui s'appelle Maserhet Me'ila. Dans Kodshim, Bezrat Hashem, on aura besoin de la découvrir longuement. Maserhet Me'ila. Et donc, concrètement, il doit porter un korban Hasham pour se faire expier sa faute d'avoir fait un sacrilège. Troisième cas de Hasham, le Hasham Shifra Harufa. C'est dans la paracha de Gdoshim de la semaine dernière, pour les Israéliens, la semaine prochaine pour les Français. Alors, là-bas, on parle de quoi dans la Shifra Harufa? C'est un cas très particulier, qu'il y avait une servante qui était à moitié libérée et qui était mariée à un esclave. Ouais, la Torah a donné quelque chose de très particulier. Et ce qu'il a fait, c'est qu'un étranger est parti avec cette femme. Alors, c'est pas. La Torah, elle a prescrit un corban, une possibilité de se faire expier sa faute, très originale. Parce qu'en plus, ça, il est même méside, il est conscient. En général, on n'apporte pas un corban lorsqu'on est conscient. On apporte en général un corban lorsqu'on a fait par inadvertance, on vient se faire pardonner. Mais là, il est parti concrètement faire quelque chose d'interdit. Une femme qui était presque mariée, qui était à moitié mariée à un esclave, en fait, c'est un statut très particulier. La Torah a prescrit d'apporter un corban Hasham Shifra Harufa. Un Hasham, pour celui qui est parti avec une Shifra, une servante, Harufa, c'est qui est à moitié mariée. Elle est reliée à un esclave, en fait, à un juif. Ensuite, Hasham Nazir, le Korban Hasham qu'apporte le Nazir. Le Nazir
Vous savez bien, c'est celui qui prend sur lui que pendant 30 jours, il ne va pas boire de vin, il ne va pas s'impurifier. Pour les morts, il ne va pas se couper les cheveux. Et malgré lui, on l'a poussé sur une tombe de quelqu'un, sur un quoi. Il est entré à proximité d'un mort, il est parti à l'hôpital, d'un coup il y a eu un mort. Ce qui se passe, c'est qu'il doit interrompre sa nézirut, apporter des korbanot. Il n'est pas fautif, c'est pas. C'est discuté ce qu'il y a une certaine faute ou pas. En tout cas, c'est le rituel. Il faut apporter un korban hacham et recommencer à recompter ses 30 jours depuis le début. Donc lui, le korban qu'il apporte, c'est un korban hacham nazir. Pour le nazir, de nouveau, il y a une maserhet cette fois-ci qui se trouve dans le Seder Nashim, maserhet nazir. Hacham metzora, le korban hacham que doit apporter le metzora, le lépreux, une fois qu'il a été, il vient se faire purifier de sa lèpre, une fois qu'il a la tache de lèpre qui a disparu, il a fait durant les 7 jours de vérification. Ensuite, pour finir sa purification totale, il doit apporter un korban hacham, qu'on appelle le hacham metzora, qu'on lisait cette fois-ci dans la paracha de metzora pour les Israéliens 2 semaines, les Français la semaine dernière. Et là-bas, il y avait quoi dans cette paracha de metzora? C'est le fameux hacham où il faut réceptionner, il y a une très, très originale quoi. Le Kohen doit tremper son doigt, récupérer, donner une goutte de sang à l'Boen, à la Tenoucha, au Zen, à l'Boen Yadoua Yemanit, à l'Boen Regloa Yemanit, et sur l'oreille, sur le pouce, Boen Yado, le pouce de la main droite, le pouce du pied droit, et sur l'oreille, et ensuite il faisait ça avec l'huile, c'est un korban hacham, en tout cas, d'accord? C'est le cinquième hacham, et le sixième hacham, c'est ce qu'on appelle le hacham taloui. Hacham taloui, c'est. Vous savez bien, lorsqu'on transgresse une faute sur laquelle on est passible d'un karet et qu'on était beshogeg par inadvertance, la Torah nous a dit tu apportes un korban khatat. Exemple, j'ai mangé du chélev, une graisse interdite, du dam, du sang. Parasha la semaine dernière aussi, kodshim, kodoshim. Il y a, par exemple, transgressé Shabbat, beshogeg sans faire exprès. Alors, on doit apporter, si tu étais méside, il y a un chiyuv karet. Lorsque j'ai fait beshogeg, tu dois apporter un korban khatat. Maintenant, lorsque j'ai un doute, est-ce que j'ai transgressé ou pas, la Torah m'a donné la possibilité d'apporter un korban hacham taloui. Vous savez bien que celui qui transgresse une faute, peut-être que j'ai oublié d'introduire ça, celui qui transgresse une faute, eh ben, il a, chaz shalom, c'est marqué dans la Gemara, issurim ba'im alav, il va avoir des épreuves, il va avoir des difficultés, et pour pouvoir surmonter cela, alors on doit apporter un korban pour se faire expier sa faute. Celui qui a un doute, est-ce qu'il a transgressé un chiyuv khatat, la Torah lui a dit, tu sais quoi? Tant que tu ne sais pas est-ce que tu as fauté ou pas, peut-être que tu risques, chas v'shalom, d'avoir des épreuves, apporte un korban hacham taloui, le hacham, parce que tu es taloui, tu ne sais pas est-ce que oui, est-ce que non, et comme ça tu te fais expier pour le moment que tu n'auras pas d'épreuves, Bezant Hashem, jusqu'à qu'après il va apprendre qu'il a concrètement fauté, s'il va réaliser qu'il va fauter, il devra ensuite apporter ce korban khatat. Ok? Donc on a fini de préciser qui sont les Zifrei Shalom et Tzibur et qui sont les 6 Hashamot. Alors maintenant, la Mishnah reprend le fil et nous dit, tout cela, Shritatan Batsafon, il faut les égorger lorsque tu es au nord, dans la partie nord du Mizbeach. Vekiboldaman Bichle Sharet Batsafon, tu dois réceptionner leur sang dans un kli Sharet, un kli de service du Batamigdash qui est Kadosh. Batsafon, tant que tu es encore dans la partie nord du Mizbeach, de la Hazara. Et le sang de ces korbanot requiert que tu les asperges 2 aspersions qui vont toucher les 4 faces, Mizrachit, Tzfonit et Ma'aravit Drumit. D'accord? Matzmed. Et ils devront ensuite être consommés à l'intérieur de la Hazara, délimité par les Klaim, par les rideaux qu'il y avait à l'époque du Mishkan, les Zichrei Keuna, par les mâles Kohen, les garçons Kohen, pas les femmes. Bechol Ma'achal, il pourra les consommer de la manière qu'il veut. Ouais, les faire griller, bouillir, frire, comme il veut. Les Yom Valayla Adratzot, il sera délimité dans le temps par Yom Valayla, un jour, donc le jour du Korban, Velayla, la nuit qui suit, Adratzot, jusqu'à la minuit, il devra finir de les consommer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. La salle à Koltou. Salam.